Bonjour à tous, nous sommes le 5 janvier. Ce qui est beau avec la musique, c'est qu'on peut avoir des interprétations différentes de la marche des rois, puisque nous continuons à contempler ce mystère de l'épiphanie, la manifestation de ce Dieu d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit, à travers la visite des mages. Il est vrai que les mages ne sont pas seulement mis en chemin, mais à partir de leur action, quelque chose de nouveau a commencé. Une nouvelle route a été tracée, une nouvelle lumière est descendue sur le monde et qui ne s'est jamais éteinte. La vision des prophètes se réalise, cette lumière ne peut plus être ignorée dans le monde. Désormais, tous les hommes et les femmes iront vers cet enfant et seront éclairés par la joie que lui seul s'est donnée. La lumière de Bethléem, maison du pain, continue à resplendir dans le monde entier. À ceux qui l'ont accueilli, saint Augustin rappelle « Nous aussi, en reconnaissant le Christ comme notre roi et prêtre mort pour nous, nous l'avons honoré comme si nous avions offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il ne nous manque que d'en témoigner en prenant une route différente de celle que nous avons empruntée pour venir. » Alors je vous invite en ce jour à renouveler votre profession de foi et à pouvoir aussi revenir par une route différente. C'est une route, faite de la seule et grande aventure qui mérite la peine d'être vécue, l'aventure qui nous mène à Dieu et de Dieu à tous les hommes pour annoncer cette fraternité universelle, cette joie de Noël. Alors je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de ce mystère de l'épiphanie, la manifestation du Seigneur comme un petit enfant qui ouvre ses bras et nous accueille tous. Soyons de ces missionnaires de l'épiphanie. Dieu vous bénisse, je vous souhaite une très très belle journée.